Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct du Japon et plus précisément en direct d'Okinawa, toujours avec Hideto et Pandaman. Aujourd'hui le soleil est encore avec nous pour les plages et toute la journée. Tu m'as trouvé une petite cabane au milieu de la montagne toi. Écoute, ça a l'air pas mal, c'est quoi qu'on va manger tu m'as dit là? On va manger du poisson, donc des kaisendon, tu sais, c'est ce qu'on a mangé la dernière fois au Osaka. Du poisson sur du riz. Des kaisendon, du poisson sur du riz. Ah là. Oh là là, tu m'amènes où gros? Il y a plein de monde en fait. Waouh. Bonjour. Venez, esprit. Mais vous avez trouvé le truc où il n'y a que des japonais en vrai. Ah bah non, mais là il n'y avait aucune indication pour venir gros. Il n'y a même pas marqué que c'était un restaurant. Que des poissons frais. Là tu peux bouffer des sashimi, royales. Oh, des petits pois, des petits œufs de poisson. Alors ça c'est, oh là, une spécialité d'ici. Ah ouais. C'est ce qu'ils appellent umibudo. En fait c'est des algues, mais c'est du raisin de la mer. Du raisin de la mer, ouais, ça c'est pas des œufs de poisson ça? Non. On pourra tester, je pense qu'il y en a peut-être dans notre plat. Il y en a là. Regardez ça. Oh les sashimi. Tu le vois le thon? Et toi t'as pris, c'est beau ce que t'as pris aussi. Toi c'est des trucs frits. C'est ça, du poisson frit. Allez, trop beau ton plateau, c'est du riz là-dedans? Ouais, sauce algue douce. C'est du riz là-dedans. Oh ça passe tellement bien, c'est tellement frais. C'est monstrueux. Les sashimi comme ça, c'est frais au petit déj comme ça, c'est léger, ça passe trop bien et ça te met bien pour tout le reste de la journée. Et là aujourd'hui Hideto nous a réservé une petite surprise, il va nous amener profiter dans une crique. Oh mais vous imaginez même pas le soleil cette odeur là, mais on est refait là. C'est les vacances là. Là c'est les vacances. Ah oh. Avec nos petites voitures et tout, on est trop refait. Ah, regarde, des gosses là qui pêchent. Et en fait, celle qu'on va aller après, c'est celle-ci. Maintenant. Ah ouais? Ouais. Et on pourra checker les plages qu'il y a en. Qu'il y a tout le long? En amont. Oh, de la bombe. Pas notre nom déjà, parce qu'on s'est jamais donné le nom de groupe. Ça y est, attends. Ils vont nous après le nom de groupe, attends le nom de groupe. Voilà, vous pouvez nous laisser un nom de groupe dans le commentaire. Voilà. Laissez un petit nom, parce qu'on on va voir qu'est-ce que ça peut être ce trio. Hideto, où est-ce qu'on va là du coup? C'est toi le guide. Du coup, vas-y, regarde-moi ça. On va juste tout droit. On va tout droit, on avance. Voilà, ça s'appelle comment? Ça s'appelle Maeda. Ici. Maeda. Ouais. C'est la creek de Maeda. Il y a des glaces, je pense qu'à mon avis, ça va partir là-dessus après. Ouais, ne bourrez pas tout de suite. Oh là 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 là. Attends, faut que je prenne des photos là. Ah, mais oui, mais là c'est. Bon, là les gars, vous êtes d'accord? Carte postale! Tu peux même en envoyer deux ou trois là, des cartes. Mais carrément, pas qu'une! Putain, Superman sur ma carte postale, les gars! On est parti sur de la carte postale là. Faut suivre Twitter, Instagram et tout parce que ça va partager sec. Ah, ça monte bien. Oh là 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 là. Oh là là. Attends, j'ai pas de prise là encore. Waouh, vous voyez la transparence de l'eau. Oh là 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 là. Et toute la plage de ce côté, c'est pareil. Oh, il y a une belle plage de sable là-bas, mec. T'as peur, Panda? Non, mais ça. T'as l'air tout coupant, les rochers sont coupants. J'ai pas envie de tomber là. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Ah, un petit hélico de l'armée là-bas. Oh, cet horizon. Vous avez vu cet horizon? Ah, il est bien lui. Il est bien calé, tranquille, avec ses petites cannes à pêche. Regarde la clarté de l'eau. Tu entends cette petite brise et ces bruits de vagues? Regarde-moi ces aventuriers de l'espace. Il fait tellement chaud, c'est tellement agréable, c'est pas un chaud humide, désagréable, c'est vraiment parfait. Le soleil là, il nous fait plaisir à notre petite peau et nos petits cœurs, tu vois. Donc là, on bifurque sur notre spot, normalement qui devrait être encore plus beau si ce n'est tout autant que celui-là. Sans sucre, zéro calorie, très bon pour la santé, le teint et la transpiration. Poisson vitamine C. Pour se donner de la patate pour toute la journée. Alors on était en route pour aller au deuxième spot, mais là tu vois il y a des espèces de petits bars old school et tout, des petites cabanes old school. Et du coup on s'est dit qu'il y avait peut-être un spot, parce qu'il y avait 2-3 voitures de garée aussi. Une petite plage, ça fait au moment qu'elle a pas été nettoyée celle-là. C'est pas la saison mais bon. Et là du coup ouais, petite plage, petit spot sympa, et regarde là ils font du... Quand t'es sur les planches et que tu rames là, je sais plus comment ça s'appelle. Oh là là. Oh, les gars vous allez halluciner. Elle est trop bonne.
Je suis frileux normalement, et là franchement elle est trop bonne touche. Il y a trop moyen qu'on rentre. Ah ouais. Bon là c'est parce que c'est super au bord, mais je pense qu'on peut se baigner tranquille. Ouais, on va en trouver un meilleur spot pour se baigner, parce que celui-là il est pas très nickel. Bienvenue dans Pimp My Ride. Nous avons mis des jantes 42 pouces, tout en alu zébré, avec une portière en métal, alu transparent, tout en inclinaison rotatif. Et nous terminer avec ce bas de caisse improbable, fait tout en peau de zèbre de Nubuck. Incroyable. J'ai hâte de savoir où est-ce que tu nous as amené. Alors, là. On peut aller de ce côté-là de la crique, mais j'ai un petit secret pour aller derrière la crique dans des endroits encore plus reculés. Je vous réserve ça, les amis. Oh, j'aime bien quand tu parles comme ça. Oh, j'aime bien quand tu parles comme ça, il est tout là. Regarde toutes les criques en bas. Oh, cette vue. Cette pureté. Excellent. C'est beau là, avec le petit trou comme ça là. C'est comment le nom de celle-là, il est toi ? Manzamo. Manzamo Beach. Manzamo Creek. Cape, ils disent Cape. Cape. Voilà, on les a les plages de rêve en face, au sable blanc. Avec un hôtel, s'il est pas bien placé celui-là. Poisonous Snake Inhabit the Area. Ça veut dire qu'il y a des, serpents venimeux ici qu'il faut éviter de... Poisonous Snake, never don't hide. Nous, on lit ce panneau-là juste après avoir escaladé dans une autre crique un rocher pareil. Ouais, mais tu vois, on a bien fait, sinon on l'aurait pas fait. Oh, l'eau elle est tellement claire, les gars, en bas. Oh, j'étais dans la jungle, entouré de serpents. J'avais peur de me faire mordre le bout du gland. La petite installation et le sable rouge en haut de la colline, attention. Oh là là là. Les premiers pas de l'homme sur la planète Namek. Ça fait super mal aux pieds, regarde les rochers. C'est pas des rochers, c'est des rasoirs. Regarde ça. C'est incroyable. Et on va remonter un coup et on va essayer de descendre carrément jusqu'à la flotte. Ah, tu veux vraiment qu'on meure de serpent, toi? Ouais. Tape des pieds. Je veux pas mourir. Voilà, il faut nous amener faire du hors-piste. Attends, mais au sol là, c'est tout plein de coraux. Ouais. Regarde. Oh ouais. Au sol, c'est tout des coraux. T'as vu? Tu marches sur des coraux, c'est ouf. Et wow. Comme ça, je vous montre un peu un truc que j'avais fait la dernière fois. J'avais pas pu mettre dans ma vidéo. C'est incroyable. Et en fait, tout là, il y a des coraux de toutes les couleurs. Ah ouais, dans l'eau? Vraiment, c'est de la folie. Regarde celui-là là. Excellent. Regarde oh là la là. Forme de celui-là. Grave. Je vais ramener un petit coin sympa. Regarde là. Le spot de ouf. Attends. Regarde le spot de ouf. Le sable blanc comme ça là. Voilà, on va quand même tremper les panards, non? On n'a pas pris les serviettes là, oh elle est trop bonne. Regarde-moi comme elle est claire. Je veux aller là-dessous, quitte à mouiller mes chaussures. Oh là ça y est, j'ai mouillé mes chaussures, merde. Ah là par contre, il y a une petite crique. Il n'y a pas une trace de pas ici. Là, je sais pas si... Oh là là, je sais pas s'il y a des gens qui sont venus récemment. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a? Alors là, on peut dormir ce soir. Est-ce qu'il y a du wifi? C'est vrai qu'on dirait un petit loup. D'accord, je rigolais. Fait nerf le clébard. Il est beau ce chat. Allez, on reprend la voiture et on bifurque. Vous allez voir. Oh, ça c'est du beau sable. Oh oui. Oh, c'est énorme. Elle est trop belle, mec. Elle est trop belle. Nous, on était tout là-bas. Tout là-bas. Oh, il est trop bien le sable. Ça part mi-novembre dans une eau à 27 degrés sur les plages d'Okinawa. J'ai envie de vous dire, une plage privée, puisqu'il n'y a personne. L'eau est parfaitement claire, le sable est blanc et propre. Et on a la si plage on m'avait dit, tout seul. Bah ouais, si on m'avait dit là que je viendrais à me baigner mi-novembre au Japon, mais pff, je refais mes vas-y, qu'est-ce que tu racontes? Comme on est trop refait. Oh, qu'est-ce que c'était bien ce petit tour à la plage.
On est trop frais. Et là en plus on va bifurquer sur un spot. On vient d'arriver dans le quartier d'Okana. De Cadena. Puisque là en fait on vous a réservé une petite surprise. C'est que là il y a le coucher de soleil. C'est pourquoi il y a une musique comme ça? C'est quoi? Généralement c'est l'école quand l'école ça finit. On est pile poil dans le bon timing là. On est trop bien. C'est ça le petit resto, ouais. On va? Allez vas-y, fais-moi rêver. On va se faire un petit resto en mangeant et en regardant le coucher de soleil. On va aller manger un petit resto. Ah, et en regardant un magnifique coucher de soleil. Wow. On peut checker derrière, hein. C'est chez elle en fait là. Avec le soleil qui est en train de se coucher là, on va avoir des couleurs et un spectacle pour un petit dîner en amoureux ce soir. Très romantique. Petite triplette. Ah là, ça sent le. Tiens. Et les gâteaux, je ramasse. Eh bah, bon appétit les gars, tu nous montres comment ça se mange, Bidetto? Comme d'habitude. C'est des Okinawa soba. C'est-à-dire que, tu vois, c'est vraiment le truc typique d'Okinawa. Et Hideto me dit qu'on peut pas trouver ça, pas exactement les mêmes, à Tokyo. C'est vraiment le truc, tu vois. Ils font plus différents, donc le filet est un peu plus particulier. Les nouilles, c'est la vie. On est assez proche des bases américaines. Tu vois, t'as les avions. Ouais. Alors on vient de finir de manger, on était installé dans ce petit resto. Et là, on va juste profiter du dernier soleil, du dernier rayon de soleil qui se couche sur le bord là. Oh là 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 là. On part sur une belle carte postale là. C'est pas fini, mais là c'est déjà très beau avec le soleil coupé en deux comme ça. C'est magnifique. Il y a une Pokéball. Quelle heure il est là, Hideto? Il est 17h34. 17h34. Plus de soleil, mais un ciel et des couleurs magnifiques. Avec une horizon. Une ligne d'horizon, regarde-moi ça. Tellement net. Et moi j'ai le petit brownie là, le petit brownie qui m'a fait de l'œil. En fait il est assez fin. Ouais. Mais il y a du marshmallow dedans. Du marshmallow dans le brownie? Wow, fais ça bien. Alors là c'est un smoothie avec du chocolat, des Oreo, du milk. Et de la banane. De la banane. Chocolat, milk, Oreo, banane, yaourt. Mais ça, attends, je veux goûter ça, je veux goûter ça. Allez, suce. Ça fait le focus sur la tête de panda derrière. Sérieux? Ouais. Alors? Non, non, mais faut pas tout boire. Hein. C'est de la tuerie. C'est bien sucré, tu vas bien le sentir passer, mais c'est tellement bon. Attends, et moi j'ai mon petit brownie. Mon petit brownie où il a mis des marshmallows cuits à l'intérieur. Tout frais, tout chaud le brownie. Tout frais, tout chaud. Mmh. Frais de chaleur. Il est frais de chaleur. Oula. De retour au guest house. Alors on est resté dans le même finalement. Au départ on avait pensé à prendre des guest house différents tous les soirs. Mais lui il est tellement bien, on est tellement bien calé que finalement, fais voir, ouais, que finalement on va rester là pour l'intégralité du voyage puisque c'est au milieu de l'île, donc en voiture on a accès au nord, au sud de l'île, de partout. Et donc on va rester là. Vous avez été plusieurs à me demander par rapport aux coordonnées du guest house, donc je vous mettrai en lien comme je vous avais dit, voilà les coordonnées. Je sais pas c'est quoi, s'il a un Facebook ou quoi le truc. Je vais voir, je vous mettrai les coordonnées, ouais, de toute façon. En tout cas, un régal, qu'est-ce qu'on est bien calé. Regardez, Silly, si vous venez à 6, y'a pas de soucis. Carrément, les lits sont d'un bon connect. Ah, ouais. Ce lit, tu vois. Surtout quand on prend deux matelas. Non, non, ce lit est tellement, je me sens absorbé, je suis une ventouse. Je ne peux plus bouger. Et un truc qui est trop refait, c'est le Family Mart juste à côté. Pourquoi? Du guest house. Pourquoi vous venez là encore, ouais, les gars là? Vous voulez que ça reparte comme ça? Panda. Panda. Ah, mais j'aime bien les stylos rouges. Il y a plein de magazines pour Panda là-bas. Vous voyez? Attends, de loin. Mais putain, mais c'est pas brut. D'abord, attends, déjà, bon. Faut que ça se passe comme ça.
en strong zéro. Alors hier j'ai pris quoi? Ah, y a pas pêche aujourd'hui. Tu mets ça au micro-ondes et tout d'un coup t'as genre tout ça d'eau dedans. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, je te jure que c'est vrai, tu poses juste ça au micro-ondes et tout d'un coup t'as l'eau, là y a pas d'eau. Tu mets juste ça au micro-ondes et y a de l'eau à l'intérieur. D'accord, je sais pas, j'ai jamais testé. Je te jure, tu mets ça au micro-ondes, genre 5 minutes. Et l'eau elle vient d'où? Aucune idée, ça doit être du gel à l'intérieur qui se liquifie quoi. Mais je te jure que c'est vrai, t'as pas besoin d'ajouter d'eau. De l'eau gélifiée, d'accord. C'est incroyable. Je crois que je vais partir sur le petit curry. Et moi je vais me taper deux bons gros maquis. Parce que j'aime les gros maquis. Il est top, faut que tu suives. Ah mais on me dit rien aussi les mecs. À gauche, à gauche. Putain, il a débranché le téléphone et tout quoi. Mais remets la musique, mais c'est toi. Non, on a plus la musique, il va vite, on peut plus rouler. Voilà. Remettre la musique, je suis désolé. Il n'y a pas de la musique qui va vite, on peut pas rouler. Attention. Oh là là, je sens que ça vient. Je sens que ça vient. On est chaud. On est chaud. Ça vient. Mais putain. Mais pourquoi ça tient pas la musique qui va vite? Mais c'est toi. Tu fais n'importe quoi. Oh, d'accord, on a fait les bananes, le petit onigiri. T'as pris deux cuisses toi? Ah, j'ai faim. Hein. Ça va toujours par deux les cuisses en plus. Oh là là, c'est quoi ça? Une ça, glace? C'est une glace mochi mochi. Panda, l'homme de ménage de la famille. Ah, il faut bien laver les vêtements à un moment quand t'as qu'un t-shirt et qu'il y a 4 jours de vacances. Super journée à Okinawa, franchement du gros kiff entre hier, aujourd'hui, là, aujourd'hui c'était vraiment la journée carte postale, il a fait super beau. Franchement, les vacances avec... Tling, la bouffe est prête. Les vacances avec les deux poteaux, Hideto et Panda, c'est énorme, on est trop bien installé dans le guest, franchement. Et vous êtes un vrai petit régal, des petites douceurs, vous êtes géniaux. Vous êtes géniaux, vos commentaires, franchement, un délice de lire ça tous les matins. Qu'est-ce que tu... Quoi? Les gars, vous êtes insupportables. Et on se retrouve demain pour la dernière journée à Okinawa. Soyez là demain, toujours au rendez-vous. Moi, j'attends de lire tous vos commentaires. Vous êtes géniaux et je vous dis... Hasta la vista!